Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Youpi, j'ai fini de ranger mes Brut Funer 520. Ouf. Alors, ça m'a pris du temps. Fifi, comme d'habitude. Ça m'a pris du temps parce que j'ai fait d'abord la façon de Bruno Hart. Je vous remettrai le lien de sa chaîne. Parce qu'il y avait fait le nuancier des Brut Funer 520. Donc au début, j'ai suivi son nuancier. Et franchement, ça m'a pris la tête. Ça m'a pris la tête. J'en pouvais plus. Bon, je l'ai presque fini, hein, son nuancier. Il est pour ainsi dire fini. Il est où? Là, voilà. Je vous le montre. Mais moi, ma façon de colorier, son nuancier va pas trop ma. Enfin, j'ai pas encore marqué les numéros des crayons dessus, puisque lui n'a pas mis les numéros, il a mis les. Enfin, s'il a mis les références, mais ça ne correspond pas vraiment aux numéros qui sont gravés. Alors, ceux-là, pour les voir, je vais vous expliquer après. Parce qu'il y a plusieurs numéros sur les crayons. Et donc, lui, il a noté ceux qui sont en doré. Voilà. Et donc j'avais commencé donc le nuancier, commencé mais bien commencé. Donc voilà, vous voyez la page 1, la page 2, la page 3, il y a des manques. Voilà. Et la page 4. Voilà. Donc, il n'y a pas grande différence, hein, entre ce que moi j'ai fait et ce que Bruno a fait sur le sien. Mais moi, je vais mieux m'y retrouver avec le mien. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, par contre, j'ai pas terminé le mien. Moi, il y a deux, donc j'ai deux trousses, comme il y avait deux boîtes. Donc, j'ai fait en deux trousses. Et donc, j'aurai deux nuanciers. J'en ai terminé un tout à l'heure. Donc, le voici. Bon, désolé, vous le voyez à l'envers, mais vous ne voyez qu'il n'y a que des numéros. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, etc., qui vont jusqu'au 260 pour la première trousse. Voilà. Et donc, le deuxième, j'ai déjà mis les numéros, le nom des crayons, la trousse numéro 2, voilà. Donc, j'aurais plus qu'à y mettre les couleurs. Bon, ça, je ferai ça dans la semaine. Ça va pas être, ça me prendra, ça va aller plus vite. Les trousses, les voici. Hop, la première. Du coup, elles sont grosses, hein. Je vous le dis pas. Grosses et lourdes. Donc, ça, c'est la première. Je vous remettrai tous les liens de ce que je vous présente là. En barre d'infos. Voilà la deuxième. Donc celle-là, je ne l'ai pas faite sur mon nuancier à moi encore. Et je vais vous montrer donc comment je les ai rangées. Qui se barre là, reste là avec maman. Voilà, moi j'ai fait des petites étiquettes, voyez. Donc je vais en sortir un pour vous montrer. On va prendre un au hasard. Bon, vous allez voir à l'envers, mais voyez, j'ai collé des petites étiquettes au bout de chaque crayon en mettant le numéro. Alors, le numéro, vous le trouvez. Alors là, à l'écran, vous n'allez pas le voir, hein, je pense pas. Vous voyez la gravure, mais le numéro, vous ne le verrez pas. Ici, voyez. Donc la pointe est là et le numéro est gravé là. Alors vous voyez, non, ça va flouter. Voyez un semblant de gravure là.
quand ça, vous ne verrez pas. Ici. Vous voyez, un tout petit semblant de gravure. Alors, vous savez que moi j'ai une mauvaise vue, hein, je vous le dis assez souvent. Bon, je ne voulais pas déplacer ma loupe là qui est là-bas, vous voyez. Hop, là. Non, là. Voilà. Ma loupe, ma lampe loupe pour la broderie. Je ne voulais pas la faire revenir là. Ou... Donc je me suis servi que de ma lampe ici. Pour lire les gravures. Et un truc qui m'a bien servi, que je me suis débrouillée toute seule pour trouver le truc, peut-être que certains s'en sont servis, et d'une gomme. Voilà. Alors, pour trouver, quand j'arrivais pas à lire, je frottais doucement sur le chiffre, sur la gravure. Hop, voilà, comme ça. Alors, mais bon, à l'écran, vous ne le verrez pas, hein, je pense pas. Oui. Oui, bon, vous voyez, c'est déjà un peu plus blanc, mais ça floute toujours, hein, pour vous. Bon, à l'écran, vous ne le verrez pas, je suis désolée. Mais du coup, avec ma gomme, donc je frottais doucement sur les numéros gravés, et ça fait qu'ils apparaissaient. Voilà, j'avais les numéros qui apparaissaient, comme là, bon, 43, du coup, je vois bien que c'est le numéro 43 sur la gravure. Et ça m'a bien aidé. Bon, sur les crayons clairs, ça a été plus galère, hein. Mais bon, sur les crayons qui avaient déjà un peu plus de couleurs, ça m'a bien aidé. Donc, si vous avez les crayons comme ça, 520, brut funère, et que vous avez du mal à lire la gravure pour vous mettre les petites étiquettes, prenez une petite gomme blanche comme ça, mais ne frottez pas à la sauvage, hein, juste vraiment léger sur la petite gravure et le numéro va apparaître. Voilà. Deux numéros, ah bah tiens, j'ai oublié de mettre les étiquettes, par contre que j'ai laissé au début de la première trousse, alors qu'il devrait être à la fin de la troisième trousse, c'est cela, le Brilliant White et le Tofu. Normalement, ils sont à la fin de du nuancier, puisque ils ont les numéros. Alors, ben non, pas de numéro, ceux-là, je crois. Attendez. Si, alors, le 517 et le 516, voilà. Donc, c'est ceux qui vont dans la deuxième trousse, mais moi, j'ai préféré les laisser dans la première trousse au début, puisque j'ai déjà j'ai celui-là, il n'est pas blanc, mais c'est le 01, il est anisé, c'est couleur anisé flower. Donc, j'ai préféré le laisser avec cela. Comme ça, j'ai mes trois blancs ou presque blancs ensemble dans la même trousse. Mais j'ai oublié de leur mettre leur étiquette. Là, je m'aperçois, mais c'est rien. Je les rajouterai tout à l'heure ou demain. C'est pas grave. Alors, les étiquettes, j'ai mis... Attendez, je vais vous baisser un tout petit peu. Oui, les voilà. Hop, venez là. Excusez-moi, je vous ai baissé. Du coup, je vous ai bougé. Voilà. J'ai tout déréglé. C'est les étiquettes que j'ai pris sur Amazon. Du coup, il m'en reste encore deux paquets. Mais bon, ça sert toujours les étiquettes. Voilà, c'est celle-ci. Pareil, vous les voyez à l'envers. C'est chiant, hein. C'est des averies, c'est des paquets de 225 étiquettes. Donc, il faut trois paquets pour faire les deux trousses entières, enfin les deux paquets de crayons, les deux boîtes de crayons. Mais c'est pas cher du tout, hein, 85 centimes. Donc, pareil, je vous mettrai le lien
en barre d'infos. Donc, vous voyez, ce sont des petites étiquettes comme ça. Donc, je vais vous en enlever une pour vous montrer. Vous voyez, voilà. C'est des toutes petites étiquettes comme ça. Donc, c'est très bien. On peut s'en servir aussi pour Diamond Painting, pour faire nos petits sachets. Et à ce prix-là, ça va. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait donc de cette façon-là. Je vais garder hein, celui-là quand même. Celui de Bruno Art. Je le garde quand même. Je vais finir de remplir mes petits blancs. Alors, par contre, oui, c'est ça. Celui de Bruno Art. Lui, il les a achetés sur AliExpress. Moi, je les ai achetés sur Amazon. Je me suis aperçue d'une toute petite différence sur certains noms de crayons. Puisque lui, bon, il les a fait par rapport à ses crayons à lui. Et il y a quelques noms, mais alors pas beaucoup. Hein, là, 1, 2, 3, 4... 4, 5, pour l'instant, j'en ai vu que 5, 5 crayons qui avaient une petite différence de nom. Par exemple, Sharp Green, ça, là, les miens, ça s'appelle le Daiquiri Green, voilà. Le Banana Green Cream, lui, il en a deux, tandis que moi, j'ai un banana. Et un banana cream, voilà. Lui, il a un golden yellow. Moi, j'ai un golden glow. Ensuite, un Turkish blue pour lui. Et moi, sur le mien, c'est un Turkish sea. Voilà. Et le dernier... oui, alors, sur le sien, c'est marqué Pastel Green. Et moi, c'est un Thunder Shoot. Voilà, mon anglais est toujours aussi nul. Voilà, donc il y a quelques crayons qui n'ont pas le même nom. Voilà. Par contre, au niveau référence numéro, par exemple, là, le Pastel Green, c'est bien un G89-520. Et voilà, au niveau du numéro gravé, c'est exactement le même numéro aussi. C'est le nom qui change. Donc, je ne sais pas pourquoi. Voilà, et moi, les miens viennent de chez Amazon. Et donc, il y a juste des petits changements de nom sur les crayons. Alors, ce que je vais peut-être faire... c'est vous marquer les petits changements de nom peut-être en barre d'infos. Si ça vous intéresse, comme ça, si vous reprenez celui-là, ben, vous pourrez tout au moins ben, faire les corrections. Si vous êtes perdu, vous dites mince, j'ai pas le même, je n'ai pas le crayon ou quoi, ben, vous saurez qu'il y a un petit changement de nom si vous les prenez chez Amazon ou sur AliExpress. Voilà. Bon, celui-là, je vous le mettrai pas aujourd'hui en fichier, mais je vais me faire très vite pour vous le faire en fichier et je vous mettrai le fichier demain ou après-demain sous la vidéo, donc vous l'aurez un petit peu en décalage. Je suis désolée, mais je vous remettrai un message dans la communauté comme quoi j'ai mis les miens en fichier. Puis voilà. Donc, sinon, alors pour ma trousse, comme je vous avais dit, c'était des trousses pour 300 crayons. Et les boîtes font 260 crayons. Donc moi, j'ai réussi... Là, alors, je vous montre. Je vais vous baisser un petit peu si je peux. Voilà. Donc là, un, deux, comme ça. Hop là. Voilà. Parce que je veux vous montrer ce qui reste comme place
C'est lourd, hein, par contre. Attendez, je coince un petit peu. Voilà. Donc, il me reste juste ça comme place ici. Voilà, juste cette rampe ici. Donc, où je peux mettre... alors, normalement... Et là, je n'ai qu'un crayon. Sur la dernière rampe, dans l'élastique, je n'ai qu'un seul crayon au lieu de trois. Donc, je peux encore en mettre deux. Donc là, je peux encore mettre 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Là, je peux encore en mettre 27. Voilà. Donc, là, j'ai mis jusqu'à 260. Et j'aurais pu aussi, ici au début, les élastiques sont un peu plus grands. Mais j'en ai pas mis. Voilà, vous voyez, là. Les élastiques étaient plus grands. Donc, j'aurais pu en mettre 4, de chaque, 4 ou 5 de chaque côté, mais j'ai pas mis. Donc, j'ai commencé tout, là, au lieu de là. Voilà. Donc, là, on pouvait encore en mettre 5. Mais comme je savais qu'il resterait de la place, voilà. Donc là, mes 260 sont très bien. Ils ont bien leur place. Et les autres sont dans celle-ci. Donc, ça fait pareil. Hein. Hop. Voilà. Et le dernier rang qui me coince, mais bon, vu comment je les tiens, c'est pas facile. Voilà, là c'est avec les derniers rangs, c'est avec les fluos et les métalliques. Voilà, et donc normalement ici il devrait y avoir les deux blancs, mais comme je vous ai dit, je les mets dans la première trousse. Donc voilà, oups, je me coupe la tête. Voilà. Donc voilà, j'ai fini de ranger. Youpi. Donc maintenant j'aurais plus qu'à me... Alors j'ai pas jeté les boîtes, j'ai jeté les racks, hein, parce que les racks ne servent à rien. Les racks sont partis à la poubelle. Mais j'ai gardé les boîtes. Parce que je vous montrerai quand j'irai en haut. Comme les boîtes sont assez belles et solides, je m'en suis servi pour ranger. Oh, c'est vrai, je l'avais pas fermé. Pour ranger tous mes papiers, toutes mes chutes de papier de scrap, voilà, dans une des boîtes. Et la deuxième boîte, bon, je verrai ce que je mettrai dedans. Mais il y a une boîte où il y a toutes mes chutes de papier scrap. Elle est déjà pleine, à ras-bord. Voilà, parce que bon, ils étaient dans une panière en fer, vous savez. Donc, ça risquait de toujours tomber. Là, au moins, ils sont dans une boîte fermée. Je suis tranquille. Donc, voilà. Comme ça, j'ai recyclé les boîtes des crayons. Alors, on m'avait demandé de faire une vidéo de mon petit coin coloriage. Je vous ferai ça dans la semaine. J'en avais déjà fait, hein. J'en avais déjà fait une, mais bon, j'en referai une, puisque ça avait un petit peu évolué. Donc, je vous en referai une. Sinon, ben, rien de neuf. Oui, si cette semaine, j'ai trouvé ça chez Action. Donc, je ferai des petites vidéos. C'est encore à l'envers. Voilà, carnet Art Journal. Alors, le prix, 1,99 €. Donc, voilà. Il y a une enveloppe dedans, vous voyez.
pour y mettre peut-être des chutes de papier ou voilà une petite enveloppe craft. La première page est glacée, c'est, vous voyez, c'est comme un carnet. Alors, il y a un côté, je vais essayer de vous montrer ça, il y a un côté qui est lisse et un côté qui est un peu granuleux. Voilà. Et les pages sont cousues. Donc, je vais essayer de vous montrer, il y a combien de 1, 2, 3, 4, 5, voilà, vous voyez, là. Il y a 5 blocs de pages et elles sont cousues. Je vais se mettre au milieu pour vous montrer. Je cherche le milieu. Non, non, je ne trouve pas le milieu. Bon. Oui. Oui, voilà. Et ah, c'est cousu. Donc, comme ça, je pourrais faire un peu de art journal de temps en temps. Alors, ceux qui ne savent pas ce que c'est le art journal, ben. On décore comme ça des pages d'un carnet avec de la peinture, de l'aquarelle. On y colle des bouts de papier, on fait du tamponnage, on fait voilà, on s'éclate. Donc voilà. Bon ben j'ai terminé avec mes bruits de funère, tout au moins le rangement. Il me restera, comme je vous ai dit, il me reste plus qu'à finir le nuancier de la trousse 2 et je serai tranquille. Donc voilà, vous voyez les couleurs. Bon, je vous montre les couleurs. Alors, c'est des jolies couleurs, les crayons glissent bien. Hein. Alors là, j'ai réimprimé, c'est les feuilles qu'il y avait dans les boîtes. Alors que j'ai réimprimé sur du carton, sur les papiers. Vous voyez, c'était les feuilles comme ça qu'il y avait dans les boîtes. Et je les ai réimprimées sur le papier comme ça. C'est le papier que j'imprime pour faire du coloriage. Comme ça, c'est plus. Bah, déjà, c'est plus solide. Et au moins, le crayon glisse mieux. C'est du bon papier. Vous voyez. Donc, il y a de jolies couleurs. De toute façon, sur celui que j'ai fait en premier, le premier nuancier, on voit hein, les couleurs. Elles sont vraiment très belles. Vous voyez. Là, c'est les. Couleur peau. Ici les verts et les bleus. Bon là il en manque quelques-uns sur cette page là puisque je l'avais pas terminé. Enfin je termine. Donc les rouges, les roses, les violets. Il y a encore un peu de bleu, les bleus verts. Et là. Donc, encore des violets. Et là, toutes les couleurs un peu spéciales. Donc, les fluos, les métalliques. Mais, en tout cas, ça prend du temps pour faire ça. Mais bon, je suis contente. C'est pour ainsi dire fini. Hein. Là, il me reste... Ben ça, déjà, rien que celui-là, il m'a pris presque 2 heures. Hein. Celui de Bruno Hart, il m'a pris une après-midi. Hein. Même 2, je vais dire. Et le rangement dans les trousses m'a pris une journée complète. Donc, voilà.
Ben, il fallait mettre les étiquettes, tout, et puis les bien ranger dans les trousses. Donc, ça m'a pris Donc, c'était un gros boulot. Donc, voilà, c'est fait, je suis tranquille. Alors, surtout, si vous voyez qu'il y a encore des grosses boîtes de crayons comme ça, empêchez-moi, hein. Vous me dites, non, non, Didith, ne les achète pas. Bon, allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et comme je vous ai dit, je vous mets en barre d'infos tous les liens nécessaires. Et si vous avez des questions, en commentaire, comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous. Et bientôt un colo avec les crayons. Bisous.